Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à Disneyland Paris, un nouveau vlog en compagnie de Pauline et de Minoucha. N'hésitez pas à aller voir leur compte Instagram, je vous mets le lien dans la description. Allez hop, c'est parti pour ce nouveau vlog à Disneyland Paris. Allez, c'est parti! Super, merci beaucoup. Salut.
Merci. Merci. Au revoir. Donc voilà, on sort du spectacle La Forêt de l'Enchantement. Comme vous avez pu le voir à la sortie, on a croisé Mérida. Je vais aller la voir parce que j'adore Mérida. Donc voilà. Aussi, il était content de voir Mérida. Voilà, Minoucha, il a fait sa petite photo avec Mérida. Il était tout heureux. Donc voilà, on va vous donner un petit peu notre avis sur ce spectacle, La Forêt de l'Enchantement. Honnêtement, ça va. Mais il y a mieux. Ça va vite fait. Hein. Franchement, moi, j'ai pas du tout aimé. Il y a beaucoup mieux. Vas-y, Pauline, dis-nous son avis. Je crois que c'est le même que moi. Musicalement, il y a un problème. Les voix, c'est pas ça du tout. Je sais pas ce qu'il faut faire, mais il faut faire quelque chose au niveau des voix. Parce que déjà, La Reine des Neiges, il y avait des soucis. Et il y a pas d'histoire. C'est un peu dommage. Les chorés sont top. Costume très joli. Ouais, on comprend pas ce que c'est, mais très joli. Voilà. Oui, mais on les comprend. On comprend pas tout. Moi, j'ai bien aimé les nuits. Il y a des choupinous. Il y a des canards. Mais honnêtement, ouais, il manque l'histoire, quoi. En fait, ils ont mis des personnages pour mettre des personnages pour empiler des personnages. Surtout que c'est dommage parce qu'il y a quand même Mérida, il y a Pocahontas, il y a Tarzan, enfin, il y a Réponse. C'est pas des personnages qu'on voit tous les jours à Disney chez nous, quoi. Donc, ouais. Mais bon, voilà. Honnêtement, bon, si vous venez, ça peut être sympa pour faire passer le temps. Quand il pleut, par exemple. Mais honnêtement. Ça caille, hein, dans ce théâtre. Ouais, il fait froid. Il fait froid. Au moment où vous êtes abrité. C'est l'avantage. Mais honnêtement, je retiendrai pas ce spectacle. Hein. Dans ma mémoire, honnêtement, si je peux l'oublier, ça m'arrangerait même. Hein, parce que c'est pas top. Donc voilà pour notre avis. Désolé, on sait qu'il y en a énormément d'entre vous qui adorent ce spectacle. Mais malheureusement, c'est pas notre cas pour nous. Nous, on n'aime pas du tout ce spectacle. Donc, Après, c'est l'occasion de voir Pocahontas. Ouais, on n'a pas vu depuis longtemps. À Disneyland Paris, surtout. Ouais. Ah ouais, de voir, je suis contente de voir Mérida. De voir Pocahontas, Tarzan aussi. Ouais. Tarzan qui fait de la corde là, c'est vachement impressionnant. C'est pas mal. Ouais, c'est moi j'ai peur pour lui. Hein. C'est impressionnant, ouais. Mais bon, au niveau du spectacle, honnêtement, il y a beaucoup mieux. Franchement, ils auraient pu faire mieux. On est à Disney, on s'attend tout de suite à mieux. Surtout dans les nouveautés avec Michael Magicien, on se dit qu'ils vont nous faire un truc magnifique au Chaparral. Mais honnêtement, nous on n'accroche pas du tout avec ce spectacle. Donc voilà, désolé pour ceux qui adorent ce spectacle. Et de toute façon, on continue notre journée à Disneyland Paris en compagnie de Pauline et Minoucha. Bonjour tout le monde! Merci de nous avoir pour cet incroyable rendez-vous. Fêtons cela tous ensemble. Avec moi, tapons des mains, chantons et dansons. Tous ensemble. Une petite pause goûter. On a quoi de bon pour ce petit goûter? On a un cappuccino, un café au lait pour Pauline, un muffin au Nutella, une gaufre pour Elodie et un... C'est un chocolat des 25e anniversaire. C'est chocolat chaud avec la crème fouettée à la vanille et puis de mix fruits myrtilles. Je sais pas ce que ça va donner, mais tu on nous va goûter. Diras si c'est bon après. Et on a pris tout ça au Vieux Moulin, parce que c'est vraiment sympa, et on mange dans la terrasse du Vieux Moulin, juste ici. On a le pays des contes de fées, donc voilà. Petit coin sympa. Voilà, petit coin sympa, il fait beau, donc allez, on fait une petite pause gourmande.